Alors d'abord parce que j'aime beaucoup le cinéma de Stéphane Brisé, parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. J'avais été très touchée par un de ses films qui s'appelait Mademoiselle Chambon. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Je ne sais pas ce qu'a vécu Stéphane Brisé personnellement, mais je trouve que c'est un homme qui en connaît un rayon sur le silence et le non-dit et la difficulté qu'ont certaines personnes à parler, à dire ce qu'elles ressentent. Et je trouve ça, il filme ça d'une façon tout à fait admirable. Bon. Et puis ce film-là m'avait particulièrement touchée. Bon, comme d'habitude, Vincent Lindon est tout à fait magnifique. Et puis, ils doivent avoir un point commun quelque part, je ne sais pas, parce qu'il y a un peu comme Jean-Pierre Léo avec Truffaut, il y a une chose de personnalité comme ça. Ils doivent avoir un accord très profond, parce qu'il est particulièrement exceptionnel avec Stéphane Brisé, Vincent Lindon. Et puis, Hélène Vincent, qui est une actrice, moi, que je connais plus au théâtre et qui est tout à fait magnifique. Et puis, voilà, c'est un film qui m'a énormément touchée. D'abord sur ça, sur la difficulté comme ça de certaines personnes douloureuses, de certaines personnes à communiquer, à parler, entre une mère et son fils notamment. Et puis, il traite de ce sujet lourd mais important de l'aide volontaire, de l'aide à mourir. Voilà. Dans les cas qui sont désespérés, quand la personne le souhaite. Voilà. Madame Emma, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu une belle vie? Alors je sais qu'il y a un débat, à ce sujet qui est toujours sur des choses sensibles comme ça, extrêmement violents et bon. Et je trouve que quand même c'est un sujet important dont il faut continuer à débattre, effectivement, parce que voilà, vous allez le voir si vous découvrez ce film, quand quelqu'un veut décider de partir avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne soit à la merci et qu'il vive une agonie terrible, ils sont obligés de partir à l'étranger. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet important à traiter, c'est pour ça que j'ai eu envie de... Pardon pour la lourdeur de la chose, mais... que j'ai eu envie de voir ce film. Voilà. Moi, j'ai eu une grand-mère comme ça. J'ai eu une grand-mère, mais elle n'était pas aussi raide que Hélène Vincent. Mais j'ai eu une grand-mère absolument cadenassée. Je m'en suis pas aperçue, d'ailleurs, parce que simplement, elle ne disait rien. Elle ne disait rien, mais bon, elle ne disait rien. Elle avait cette même tenue comme ça, de ces femmes qui se tiennent. Et je n'ai réalisé, d'ailleurs, je n'ai vraiment pensé qu'en écrivant mon dernier livre, on met des dizaines d'années à se rendre compte de choses quand même, et c'est trop tard, parce qu'elle n'est plus là, je ne le saurais plus, et je ne sais même pas si elle m'aurait répondu. Cette femme était fille de paysan cauchois, je crois assez frustre, d'une famille de 11 enfants. Et nous n'avons jamais vu ni un frère ni une sœur. Elle n'a jamais parlé de sa famille. Ils n'ont jamais eu droit à un mot ni à une visite. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Et cette femme était ma grand-mère était dans ce style-là, ma grand-mère paternelle. Voilà. C'était, et d'ailleurs, quand elle souriait, c'était hop, ça souriait, puis hop, c'était tout de suite cadenassé, comme ça. Et toujours avec une tenue exactement comme elle. C'est peut-être ça aussi qui m'a touchée dans ce film, parce que ça m'a rappelé, je ne le saurais jamais ce qui s'est passé. Je suppose que 10 frères et sœurs n'ayant pas droit ni à un mot ni à une visite, devait y avoir une raison. Et je ne la saurais jamais, effectivement. Elle est partie avec son silence. C'est pas la peine de soigner, c'était décidé que ça finirait mal. J'ai pas décidé que ça finirait mal. C'est très bien ce que j'ai, faut pas se raconter d'histoire. J'espère quand même que vous aurez pris plaisir, que j'ai pas trop assombri votre fin de week-end et que ça va vous donner envie, très envie de parler et de partager, de faire absolument l'inverse de ce qu'il y a dans ce film. Voilà. Thank you.